Bonjour la famille. Ce message est pour toi, ma grande soeur chérie, Régine Bien. S'il te plaît, ne m'appelle plus pour me demander de laisser Claudine Wandi ou de ne plus citer le nom de Ndjapa. Hein Là, je t'appelle, je tremble même. Ndjapa hein? n'était pas un membre de la tontine. Hein? n'était était un membre de la Tontine, non? Son nom figure dans les cahiers où son nom ne figure pas. Ndiapa hein? va venir nous remettre notre argent. Hein? Tu me réveilles le matin pour me dire que Claudine Wandi t'a, dit, tu, 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 me cries dessus pour que je, je ne, je, je, je ne prononce plus le nom de Ndiapa sur Facebook. Ndiapa n'est pas membre de la tontine. Régime bien. Mais voilà, je tu oh, ma grande soeur chérie, je te respecte beaucoup. Tout le monde a vu comment je te respecte. Si tu as décidé de laisser Claudine Wandy bouffer ton argent, ce n'est pas mon problème. Mais ne fais plus sonner mon téléphone. Tu me parles de de, de, Wange, de Claudine ou de de de, 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 de Ndjapa. Non. Moi, je demande mon argent parce qu'avant, il disait que c'est toi qui m'envoies. Maintenant, tu m'appelles pour me pour me, pour me pour me dire pour me pour, pour me dire non. Jackie, laisse le nom de Ndjapa. Je laisse le nom de Ndjapa. Pour pourquoi? Dis pourquoi? Dis-moi pourquoi est-ce que je laisse le nom de Ndjapa? Hein? N'y n'est pas membre de la tontine. Claudine et toi, vous avez signé un pacte, ma bien. Claudine et toi, vous avez signé un pacte. Hein? La première tontine d'Ami hein? Sincère. Claudine, mis Sincère d'avant, elle a bouffé tes 17 000 euros. Ça ne t'a pas empêché de venir encore entrer dans l'autre Ami Sincère qu'elle a créé. Elle a entré de bouffer tes 13 000 euros. Les 17 000 euros que tu as bouffé d'anciens Ami Sincère... C'est avec de l'argent là que Claudine Wanda a pris là a acheté les papiers à Benji Mateke. Benji Mateke, le chanteur. Hein? Quand il a eu les papiers, là, pas jeté comme une vieille paire de chaussettes. Ma bien, te voilà que j'avais tué. Oh. Sonia, Henriette, vous êtes... Toute la famille au courant. Toute la famille au Cameroun est au courant, ma bien. Si tu es complice avec Claudine, ça vous regarde. N'appelle mon téléphone pour me demander de laisser Claudine. Si tu fais encore sonner mon téléphone, toi, mais va te clasher sur Facebook. Te voilà que j'avais dit, oh. Je vous ai dit que le respect est fini, c'est mort et enterré. Ça n'existe plus. Je parle parce que je reclame mon argent. Te voilà, oh. Te voilà, tu ne diras oh, pas qu'on ne t'est pas prévenu. Sonia, arrête de vous écouter. Je vais m'appeler, je vais appeler mon père, je vais appeler Okolo. Je vais appeler Okolo, ma bien. Ne fais plus sonner mon téléphone. Si Claudine Wandy et toi, vous avez signé le pacte du diable pour bouffer l'argent des gens, toi, ne m'appelle plus. Si tu ne veux pas que je te clash sur Facebook, tu ne m'appelles plus. Ma bien, je parle, j'espère que tu entends oh. Ne m'appelle plus. Claudine Wangia a mon numéro, non Pourquoi elle-même ne m'appelle pas pour me demander de d'arrêter de, le nom de Ndiapa Est-ce que ce que je dis est vrai Car là-bas, la tontine, comme elle escroque tout le monde, même ses si choux, elle escroque. Heureusement que Ndiapa n'a pas envoyé l'argent pour qu'on vende aux gens avec intérêt. Hein? Il a beaucoup d'argent au Cameroun. Il voulait en plus de ça envoyer l'argent pour qu'on vende l'argent. Claudine récupère les intérêts. Hein? bien, je t'avertis. Là, je suis en train de crier. Tout le monde entend. Quand il veut te clasher sur Facebook, les gens ne diront pas que Oh, Jackie pas, ne t'a pas prévenu. Je t'ai prévenu. Je suis en train de te prévenir. Ne fais plus sonner mon téléphone. Toi, Claudine Wanji, je t'ai dit et je répète. Tu as l'argent que j'ai pris chez Stéphanie, je t'ai donné. Tu as intérêt à m'appeler pour rendre l'argent là. Si tu ne rends pas l'argent, je te que tous les jours, tu auras droit à un direct sur Facebook. Et vendredi, si tu ne cotises pas, tout le monde saura. Là où tu mets l'argent tu prends dans les tontines, tout le monde saura. Et les conditions que tu donnes aux filles, avant de les donner la tontine, pour le moment, je ne parle pas, j'attends samedi. Soyez connecté, samedi. Ma bien, t'ai prévenu. J'ai appelé le nom de Sonia. On n'est pas amis sur Facebook. Mais je suis sûr que les gens qui sont amis avec moi vont, vont, vont prévenir à, à, aux, aux, aux soeurs. Je te respecte beaucoup. Tu me fais souvent les choses, je laisse. Mais le tout aussi, je te préviens. Ne m'appelle plus. Gobel Bouboul, tu entends? Voilà ma bien qui me cherche. Après, vous allez m'appeler pour me dire « Oh, Poupina, pourquoi tu as clashé ma bienne ?»« Ma bienne, Régine Vienne, Madame Okolo, ne m'appelle plus. Oh. »« Si Claudine Wanzi t'appelle tôt le matin, si vous faites votre sorcellerie en France, elle ne m'appelle plus. » Là, elle me réveille. Je ne peux pas aller faire mes choses tranquillement. Tu m'appelles. tu Donc, tu es même de quel côté Donc, tu soutiens ce que Claudine fait J'espère que la des les gens qu'elle a que là, tu ne me fais pas semblant, elle a aussi exploqué pour toi. Hein? Tu me dis, mais là tu me dis, tu me, tu m'envoies le message que, hey, pardon, ma petite sœur. Demande pardon, je te pardonne. Mais ne m'appelle plus pour Claudine Wandi. Tu ne m'appelles plus pour Claudine Wandi. ma bien te voilà, oh. Léo, ma Michel. Voilà ma, voilà ma bien qui me cherche. Est-ce que depuis que le problème là a commencé, ma bien, c'est même toi qui m'as entraîné dans New Look. Depuis que Claudine a bouffé mon argent. Tu as appelé Claudine pour dire à Claudine, Claudine, rends l'argent de Jackie. Hein? Je suis allée prendre l'argent chez Stéphanie. J'ai donné à Claudine, elle avait le problème. Tu as appelé Claudine pour dire à Claudine que Claudine rend l'argent de Jackie. Tu n'as rien fait. Mais tout ce que tu sais faire, c'est m'appeler le matin. Vous me dites "Ouais, ma petite soeur, ma dernière sœur, encore de m'appeler pour me parler de Claudine. Si tu veux prendre ça comme des menaces, tout le monde sait que je te respecte, mais le tout c'est si vous êtes prévenu que le respect est mort et enterré. Je ne respecte plus personne. Je dis bien personne. Si vous voulez vous me clashez aussi sur Facebook, je suis préparé. Je suis préparé à vous répondre. Mais le tour, c'était le dernier tour. Claudine va rendre mon argent. Et ma bien, si tu essaies encore de faire sonner mon téléphone, je ne t'interdis pas de, de m'appeler. Tu es ma grande sœur. Appelle-moi pour me parler d'autre chose. Ne m'appelle plus pour me parler de Claudine Wandi. Que je dois laisser Claudine Wandi Je ne laisse pas Claudine Wandi Tant qu'elle ne me donne pas mon argent. J'ai pris l'argent chez Stéphanie, j'ai donné à Claudine. Claudine dort tranquille et ronfle. Pendant que les femmes pleurent. Est-ce que tu es au courant que Claudine ne cotise, ne cotise plus aucune tontine? À part la tontine de Maman Mani, le dimanche. Je parie que tu es au courant. Et tu vas quand même m'appeler pour me dire, Jackie, pardon. Non, ma bien. Le tout, c'est parce que tu as assez respecté. Tout le monde a vu. Tout le monde a vu. Et là, je fais appel à tous ceux qui connaissent notre relation. Que tous ces gens-là te. Que tous ces gens-là te parlent. Hein? Si tu m'appelles encore, le direct qu'elle va faire sur toi, tu ne vas même pas en revenir. Peut-être que tu vas me, comme tu aimes la bagarre, là. Nous, on sort, nous tous, nous sortons d'un commando. Hein? On va bagarrer dans Paris, ma bien. Appelle-moi encore. Pour me parler de Claudine. Et je suis prête, là, maintenant. Quand je suis allée demander l'argent que j'ai pris chez Stéphanie pour donner à Claudine. C'est pas devant toi qu'elle m'a insulté. C'est pas devant toi que la grand-mère s'est levée pour m'arrêter la bagarre. Tu n'étais pas là. Maintenant, tu, tu as quand même le tout de prendre ton téléphone pour m'appeler. Et me dire que Jacqueline, nanani, nanana. Essaie encore de m'appeler. Ma bien, essaie encore de m'appeler. et va appeler ton mari tout à l'heure. Elle va chercher son numéro. Elle va l'appeler tout à l'heure. Appelle-moi encore. Et tu dis à ta, ta complice, Claudine, qu'elle va appeler le nom de Djapa Pian, jusqu'à elle va donner l'argent qu'elle doit me donner. Bande d'escrocs comme ça, là. Appelez-moi. Pour me, pour me dire que non, Claudine, dans l'argent que Claudine t'a pris, ça ne te dit rien. Hein? Une femme qui sait très bien ce qu'elle fait. Elle a pris l'argent des gens. Est-ce que son restaurant est à son nom? Mais c'est notre argent qui a fait en sorte qu'elle achète le restaurant, là. Toi, tu connais les problèmes que j'ai? Non. Mais tu m'appelles quand même pour me dire de laisser ma, de laisser ma Claudine. Si toi, tu n'as aucun problème, moi, j'ai les problèmes qui attendent de cet argent-là. On ne peut pas travailler comme des malades. On vient garder l'argent dans les tontines. Vous prenez. Vous faites vos choses. Et au moment de rembourser, vous, 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 vous faites les morts. Non. Je te dis non. Je ne te menace pas, ma bien. Je ne te menace pas. Si tu veux, tu prends ça comme des menaces. Je te dis. Je te dis, le week-end, elle sera à Paris. Même si tu es en face de moi, Et vais te dire ça. Je pense que vous êtes assez respecté. Je vous ai assez respecté. Hein? Parce que quand tu allais faire à la douane là-bas, prépare-toi, retrousse tes manches. Si tu tentes encore de faire sonner mon téléphone, toi et moi on va bagarrer dans Paris, les gens ne vont pas nous reconnaître. Je te préviens, tu es ma grande soeur, je te respecte beaucoup, mais si Claudine t'appelle encore, tu gardes ça pour toi. Ne m'appelle plus pour me dire quoi que ce soit. Je te préviens, où? parce qu'au départ, elle a d'abord dit aux gens que c'est toi qui es derrière. Maintenant, ce n'est plus toi qui es derrière. Elle t'appelle quand même pour te dire, appelle ta soeur. Tu as aussi le courage de prendre ton téléphone pour m'appeler. Ma bien, si tu veux prendre ça comme des menaces, mais fais encore sonner mon téléphone. Tu vas confirmer le code. Facebook a venu nous sauver. Hein? Claudine, c'est un verre pour mon argent. Et t'as dit que tout le monde saura qui elle est. Tout le monde saura qui est Claudine. Et Claudine, tant, pourquoi je, pourquoi je modère même un peu? Tu vas me rembourser l'argent que j'ai pris chez Stéphanie, je t'ai donné. Tous les jours, tu auras droit à un direct. prépare toi Toi, tu as dit que tu t'en fous. Mais la mère, je sais que tu ne t'en fous pas. Si tu t'en foutais, tu ne vas pas prendre ton téléphone le matin pour appeler ma bien pour qu'elle me réveille dans mon sommeil. À cause de toi, on n'arrive pas à dormir. À la même période, c'est la même chose que tu as fait à la pauvre fille de Stéphanie, comme c'est toi. Elle a fait les cauchemar et vous voyez dans votre sommeil. Hein? Vous n'avez même pas honte. Les anciens bordels d'Aïdjo, comme vous, comme ça, là, vous prenez l'argent des petites filles comme nous, vous bouffez. Et vous allez dans les soirées, vous achetez les cuvettes de champagne vous vantez avec. Attendez-vous, ne perdez rien. Ce n'est que le début des directs. Claudine, si tu veux prendre ça comme des menaces, ne cotisez pas vendredi. Samedi, je donne rendez-vous à tout le monde dans le direct de samedi. Tu vas entendre. Peut-être c'est le tout là que tu vas alors vraiment vrai, faire le vrai AVC. Le tout aussi. Prépare-toi. Passez une bonne journée, la famille.